sors d'ici. Maman, sors, je t'en prie. Lève-toi. Maman, tu es debout. Maman, je suis désolée. Maman, pardon. Debout. Maman. Debout, sorcière. Je ne veux pas te voir. Je ne veux plus te voir. Je vais te taper. Maman, désolée. Qu'est-ce que ça veut dire? Maman. À ton avis, à quoi est-ce que ça ressemble? À quoi est-ce que ça ressemble? As-tu vu ta vie? Tu vois ta vie? Qu'est-ce qui fait ça? Laisse-la partir. C'est une sorcière. Elle n'arrive pas à te donner des enfants, qu'elle parte. Mère, je veux que tu arrêtes cette folie. C'est à moi que tu marches comme ça. Tu feras faire ce que tu n'aimeras pas. Comment oses-tu? Mère, la seule raison pour laquelle tu encombres cette maison. Qui vas-tu faire? Tu es ma mère. Tu veux me mettre à la porte? Tu veux me mettre à la porte à cause de cette sorcière, c'est ça? Cette sorcière. À cause de cette sorcière, ça fait 5 ans. 5 années depuis que vous êtes mariés. Pas de cri de bébé. Mère, cette sorcière n'est pas Dieu. J'ai dit qu'elle doit partir. Cette sorcière aura ses enfants au moment approprié. Quand est-ce que cela se fera? Cette sorcière, quand est-ce qu'elle aura de bébé? Viens, fais-moi passer. Mère, arrête. Mère, je veux que tu arrêtes. Laisse-moi passer, je t'ai dit. Mère, je veux que tu arrêtes cette menace. Mère, arrête. Moi, s'il te plaît. Chez moi, ici. Je décide ici. C'est pas toi de décider ce qui se passe dans ma maison. Et je dis qu'elle doit partir. Elle ne partira pas. Elle doit s'en aller, cette sorcière. Elle ne quittera pas. Elle doit partir. Mère, peut-être une fois posé la question à savoir si c'est moi qui suis responsable de son malheur. Jamais de la vie. Sans effet, c'est impossible. Je sais que tu es un homme viril, un vrai homme. C'était la sorcière. Fais-moi passer. Tu arrêtes ça. Fais-moi passer. Elle doit partir. Elle doit quitter cette maison. On va voir. Mon amour, du moins dis quelque chose. Tu n'as dit mot. Tu t'es enfermé ici toute la journée pleurant. Ouais, je sais que ma mère avait tort. Elle n'aurait pas dû te traiter comme elle avait fait. Tu n'as pas mal agi. Aucune femme n'accepterait que son fils se marie à une femme stérile. Je t'interdis de dire ça à ton sujet. Soma, je t'aime. Et c'est tout ce qui compte. Penses-tu que c'est facile? Tu ne sais même pas ce que je ressens parce que je n'ai pas dans ma peau. Sais-tu ce que les gens pensent pour toutes les femmes qui n'arrivent pas à mettre au monde? Je ne te regarderai jamais de cette manière. Suis-je Dieu? Est-ce que c'est moi qui ai désiré être ainsi? Soma. S'il te plaît, laisse-moi calme. Pars et laisse-moi toute seule. Mon amour. S'il te plaît. Papa, j'ai fait une soupe et les foufous pour madame. Oh, ne te dérange pas, elle n'a pas faim. Non, elle risque de mourir de faim. Elle risque de mourir de faim. Oma, tu peux aller au lit. Je prendrai ce moment de ma femme. Ok, bien. Oga? Êtes-vous en conflit avec madame? Je vous ai entendu en train de crier. Petite terre est occupée de tes activités dans cette maison. Quel est ton problème? Sors! Ok. Oh, ma. Tu t'occupes toujours des affaires qui ne te concernent pas. Tu ne fermes pas cette grande bouche. Tu aimes parler à tout moment.
Apprends à rester calme. Tu vois la poule, tu parles. Tu vois le poussin, tu parles. Regarde maintenant. Tu as vu comment tu as risqué d'être viré. Hein? Tu es déjà gros, comme un éléphant. Tu n'as pas pitié de ta vie, hein? Oh, j'ai eu pitié aujourd'hui de madame. La maman de haut. La chargée de coups comme au cas de ring, franchement. Ah! Pourquoi tu l'as battue? Pourquoi tu l'as battue? Oh! Elle le mérite. Elle a toujours des épaules comme ça. Tu ne comprends pas. C'est toujours, oh man. Une madame très méchante. Qu'elle soit battue sans problème. Jésus. Oma! Oui, madame. Oui, madame. C'est quoi ça? Foufou et la soupe de Ogo. Foufou et Ogo si? Qu'est-ce que ça fait sur ma table? Pour manger, non? Que la foudre s'abatte sur toi. C'est ça mon souhait sur toi. Comment es-tu? Es-tu folle? Depuis quand nous mangeons le foufou et au goussi le matin dans cette maison? Ce matin, ça commence ce matin. Allez, la ferme avant que je ne puisse te faire du mal. Es-tu folle? Bébé, s'il te plaît, calme-toi. Bébé, ne me dis pas de me calmer. Comment cette pupille peut nous servir cette nourriture? Va-t-elle nous tuer? Il y a cette provision. Je me suis dit que je vous fasse une soupe égo avec le foufou. Pour ne pas gaspiller. Allez, dégage d'ici. Bébé, laisse-moi, s'il te plaît. Allez, vas-y, sors d'ici. Madame, pour gaspiller la nourriture, oh. Ce n'est pas bien, oh. Pourquoi tu as fait ça? Tu sais que nous ne mangeons pas les restes dans cette maison. C'est ce que j'ai trouvé de bon à faire pour vous, non? Ok, s'il te plaît, emporte ça. Bébé, laisse-la sortir. Allez, toi, dégage, sale imbécile. Rien n'est perdu. Je vais m'assurer que ma journée soit bien calée avec ça. Merci. Mouche, partez. J'ai pris tout mon temps de préparer pour elle. Madame refuse de manger. Hein? Elle boude à tout moment. Hein? C'est quoi ça? Je ne vais pas manger. Je ne mange pas. Je vais bien vous aider à le finir. De finir ça. Père éternel, regarde cette nourriture. Aide-moi à aider madame à ne pas gaspiller à manger. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je mange. Amen. Yeah. On y va. Ensemble. Ensemble. On est heureux ensemble. Vous êtes une famille. Soyez prêts, soyez prêts. C'est ça. Allez, allez, envoyez la boule. Tout est prêt. Elle avance. Pour marquer le but. Pour marquer le but. Pour marquer le but. Oh, man. Oh, man. Eh, mon Dieu. Eh, mon Dieu. Hé. C'est qui? C'est qui? Peux-tu la fermer? Ok. Hey! Madame. Seigneur, pourquoi ce genre de punition? Es-tu supposé dormir à 7 heures? Madame, c'est quand je me suis mis à manger. Pendant que je mangeais, le sommeil m'a emporté.
La preuve, c'est ses foufous sur ma mère. Tu es une folle. Oui, c'est ça. Tu dois demander à Dieu d'utiliser ta taille pour te donner l'intelligence. Parce que tu n'en as pas du tout. Mais s'il me prend cette taille, je ne serai plus moi. La ferme. Oma, oui, madame. Je pense que j'ai été trop gentille envers toi. Voilà pourquoi tu y es arrivée à ces niveaux. Et si tu ne changes pas, je te mettrai hors de ma maison. Non, 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 madame. La ferme. Tu dois me prouver que tu es capable de prendre soin de ma maison. C'est quoi toutes ces bêtises? Désolée. Oh. Imagine que je t'ai revenu avec quelqu'un. Quelqu'un vous suit? Qui est là? C'est qui? Qui est venu? Oma, la ferme. Tu es une folle. Oui, c'est ça. C'est ça. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette punition? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette chose qui n'a pas de sens? Allez, suis-moi, tu vas prendre l'argent pour aller au marché. Tu vas faire quelque chose à manger pour mon mari. Vite. Désolée, madame. Aidez-moi à me lever. Quand je travaille, c'est mal. Je me mets à manger, c'est mal. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse encore, madame? Madame! J'arrive. Oui, madame. Oui, madame. Ce n'est pas du tout facile, oh. Donc, ma belle, tu essaies de me dire que c'est ce que tu traverses dans cette maison? Je ne sais même plus vivre en paix dans ma maison. Sérieux? Je ne peux même pas boire de l'eau ou du thé dans ma propre maison. Ma belle-mère est sur mon cou. Alors, qu'est-ce que dit ton mari à propos de tous ces problèmes? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va dire? D'après tout, c'est sa mère. Je sais qu'il n'est pas pour sa mère, mais tu sais que entre mère et fils, il y a des problèmes. Je suis très fatiguée. Ma belle, tu dois faire quelque chose. Je vais dire très vite. Qu'est-ce que je dois faire? Oui, tu dois faire quelque chose. Tu dois sauver ton mariage. Sinon, un jour, ta belle-mère viendra avec une autre comme seconde que épouse Dieu nous et elle te mettra à la porte. Ah, s'il te plaît, arrête de dire ça. Que Dieu je sais de quoi je parle. Ça n'arrivera jamais. Alors, sauve ton mariage. Écoute, il a toujours été dit, vaut mieux prévenir ah, que okay, guérir. Ah, ok, vas-y, prends ta boisson, vas-y. Merci, ma chérie. Je sais que tu seras toujours là pour me couvrir. Ah, sommes-nous mariés dans la même maison? Tu n'es même pas fortunée. Tu n'as pas changé. Désolée, ma belle. Toi, tu es même. They could not come and see this maid. She did do her work with the happiness. Washing and setting. She's a beer. Home cleaning. She's a beer. Home service. She's a beer. Organ massage. She's a beer. And maintenance. She's a beer. She's a beer. La vie est belle. Elle est belle. Elle est belle. C'est toujours Oma, 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 Oma. Ah, il ne me laisse pas me reposer. Oh là là. Que je profite de finir mes beignets en cours de route, puisque quand je rentre dans cette maison, c'est toujours Oma, 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 Oma. Ah, il ne reste qu'elle me demande de l'aider à chier. Madame, t'as good. C'est très bon. T'inquiète, j'en finis avec ici.
Ça c'est l'emporté. Chemin faisant. Madame, je suis là. C'est quoi cette odeur? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon Dieu, Omar! Pourquoi tu sens comme un porc? Tu as l'odeur des porcs. C'est quand la dernière fois que tu t'es lavé? Trois jours passés. Jésus-Christ! Omar, comment peux-tu faire trois jours sans te laver? Comment c'est possible? Comment ne peux-tu pas te laver? Madame, je me suis toujours lavée après trois jours. Après, je me lave. La ferme, tu es une folle. Tu es une folle. Hé, hey, mon Dieu! C'est quel genre de personne comme ça, hein? C'est quel genre de punition? Madame, désolé. Comment peux-tu faire trois jours sans te laver, Omar? En plus, tu es une fille. C'est comme ça que je fais le bain de douche. La ferme, qui t'a dit ça? Tu es la personne la plus bête dans ce monde. Je jure. Écoute, prends ton corps, hein. Va à l'extérieur. Achète les savons parce que ce qu'il y a à l'intérieur là ne va pas te suffire. Si tu achètes, viens me montrer. Et tu entreras là-bas pour bien te laver. Rassure-toi de quoi? Viens me laver. Si tu veux gâcher ton corps, je m'en fous. Ce que je veux, c'est que tu te frottes bien. Frotte-toi très bien. Que je le fasse comme un. C'est ce que je veux, ma chère. Allez, vas-y, sors, s'il te plaît. Okay, comprends-toi. Madame. Hey! Es-tu folle? Désolée, madame. Si tu fais le contraire, je te mettrai hors de ma maison, je te jure. Je ne peux plus cautionner ces bêtises. Oh! Cette fille me nerve. Salut, comment tu vas? Mon ange, ma seule et unique. La seule en qui mon cœur prend plaisir. La source de ma joie et de ma bénédiction. Bébé, tu sais que je t'aime. Comment tu vas? Bonjour, chérie. Bonjour. Comment s'est passée ta nuit? Ah, super. Et la tienne? Très merveilleuse. Tu t'apprêtes? Oui, chérie. Avant que je n'oublie, chérie. Je veux que Oma quitte chez moi. Parce que c'est la énième fois qu'elle m'énerve. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Peux-tu imaginer? Oma ne s'est pas lavée pendant trois jours. Hein? Oui, tu m'as entendu. Trois jours. Qui l'a déjà fait? Trois jours? Oui. Et quelle était sa raison? Bébé, ça m'est égal. Je veux juste qu'elle sorte de chez moi. Je suis fatiguée de ces bêtises. Bébé, tu sais qu'elle a besoin de l'argent. Si on la renvoyait maintenant, quelle est la garantie qu'elle trouverait un autre travail? D'ailleurs, elle est laborieuse. Je ne Bébé, refuse je m'en pas fous. Le fait qu'elle n'est pas si propre. Je m'en fous, ça m'est égal. Bébé, cette fille, je te dis, hein, tout ce qu'elle fait de mal, hein, emballe tous ses bienfaits. Je ne veux plus d'elle, s'il te plaît. Je ne veux plus d'elle ici. J'y connais la femme que j'ai épousée. Elle est si tendre, aimante et attentionnée. Je te supplierai de te calmer. Donnons-lui une deuxième chance. Oh, ma beauté, ma rayon solaire, ma couronne d'or, mon investissement. Où est l'argent que tu m'avais promis? Laisse-moi. Allô, maman. Qu'y a-t-il? J'espère que tu n'appelles pas pour commencer une dispute. Maman, s'il te plaît, peux-tu laisser ma femme tranquille? Peux-tu laisser Soma tranquille?
Et qu'est-ce que ça signifie? Écoute, maman, c'est un retard pour le travail. Je te rappellerai après. Bienvenue, maman. Merci. Aïe. Où est cette femme inutile? Il n'y a personne ici. Oh. Où est cette Soma, ou je ne sais comment tu l'appelles? Ok, elle est sortie. Elle est sortie? Oui, maman. Elle est allée où? Je ne sais pas, mais c'est depuis longtemps qu'elle est sortie. C'est depuis longtemps? Oui, maman. Pas de problème. Elle va me trouver à son retour. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Aller se balader partout dans la ville. Se promener toute la journée. C'est la seule chose qu'elle sait faire. Elle va me trouver à son retour. S'il te plaît, apporte-moi un verre d'eau. Oui, maman. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donne un bébé à Oga. On veut voir le ventre gonflé. Madame aura très chaud. Ça sera chaud. Elle verra de toutes les couleurs avec la maman de Oga. Oh, y'a bois, y'a bois, y'a. Suffira encore cette bouche. Tu n'es pas du tout humble. Tu me mets mal à l'aise à tout moment. Laisse tes traces sur la terre. Aujourd'hui, ça sera chaud. Aujourd'hui, ça sera chaud. Aujourd'hui, ça sera chaud. Maman, c'est toi? Non, c'est un fantôme. Tu viens de voir un fantôme. C'est juste que je ne m'attendais pas à votre présence. Vraiment? Donc je dois d'abord avoir la permission de la toute-puissante reine Sheba avant de venir visiter mon fils? Non, maman, je n'ai pas dit ça. N'essaye pas de faire semblant. Je sais que tu n'es pas d'accord que je sois là. Donc je veux dire, il fallait d'abord que je puisse te passer un coup de fil pour t'informer, la toute-puissante reine Sheba, que je viendrai voir mon fils. C'est maman, ce que tu essaies de me dire? Ça, maman. Alors qu'est-ce que tu insinues? Hein? Hypocrite, reviens. Je te parle et tu t'en vas. Maman, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? J'ai toujours essayé d'être cool avec toi, mais tu n'aimes pas ça. Ça veut dire quoi, non? Alors que vas-tu faire? Que vas-tu faire? Tu oses mousser les dents? Que vas-tu faire? Tu veux te battre avec moi? Tu veux te battre avec moi? Allez, laisse-moi tranquille. Viens. Idiote, espèce de sorcière. Viens te battre avec moi. Sorcière. Je suis là. Viens me mettre à la porte de la maison de mon fils. Ah. Oga. Il y a le feu sur la montagne. Feu sur la montagne. Il y a le feu sur la montagne. Feu sur la montagne. Il y a le feu sur la montagne. Maman, qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu dans ta maison. Ça brille. Ça chauffe. Qu'est-ce que tu veux dire par il y a le feu sur la montagne? Ça chauffe. Ta maman est dedans. Tu veux dire que ma mère est à l'intérieur? Elle est dedans. Elle est dedans. Dans la maison. Bédé. Feu sur la montagne, feu sur la montagne. À la rescousse, anti-incendie. À la rescousse, feu sur la montagne. À la rescousse, feu incendie. À la rescousse. On a parlé ce matin et tu ne m'as pas dit que tu venais. Jeune homme, as-tu oublié tes bonnes manières? C'est comme ça que tu souhaites la bienvenue à ta mère? C'est ça? Je ne sais pas, peut-être que tu as oublié que je suis ta mère. J'étais portée 9 mois dans mon ventre. Mère. Et j'étais allaitée pendant 2 années. C'est pas ça le point. Tu ne peux pas entrer et sortir de ma maison telle que tu veux. Alors que veux-tu faire à propos? Tu veux me mettre à la porte? Tu veux mettre ta mère dehors? Peu importe, je ne te blâme pas. C'est la faute de cette sorcière que tu appelles femme. Mère, tu ne peux pas continuer à insulter ma femme de cette manière.
tu la blesses émotionnellement. Tu dois la laisser tranquille. Vraiment? Ouais. Ok, je la laisserai tranquille si seulement elle me donne des petits-enfants. Je veux dire, est-ce que cela c'est trop demandé pour une belle fille? C'est trop demandé? S'il te plaît. Parfois, je me pose la question à savoir si vraiment tu es ma mère. Peut-être que je t'avais ramassé dans une décharge. N'importe quoi. Je t'avais ramassé à la poubelle. Idiot. Je ne te blâme pas. Bébé, je suis désolé. Pourquoi que ma mère aurait pu dire pour t'offenser? S'il te plaît, pardonne-lui. Je suis désolé. Je suis très désolé. Tu es désolé? Tu es désolé? Tu penses que ça va changer quelque chose ici? Ta mère a toujours trouvé une occasion pour m'importuner et m'embarrasser, je te dis. Je suis tellement désolé. Pourquoi ne pas aller là-bas et lui dire... À qui la vaut si on n'arrive pas à voir ses petits-fils dont elle cherche? Non, non, ne le fais pas. Non, pourquoi? Pourquoi alors ne pas le faire? Bébé, non. Dis-moi pourquoi. Dis-moi pourquoi est-ce que ta mère ne me laisse pas me reposer? Pourquoi est-ce qu'elle me déteste? Pourquoi? Écoute, bébé, je vais... Non, écoute-moi. Si tu ne mets pas ta mère à sa place... Je te promets, je le ferai. Excuse-moi. Dieu merci. Elle a finalement emballé ses affaires et sorti de chez moi après avoir causé beaucoup de problèmes. Soma, tu ne peux pas lui donner tort. C'est comme ça que les mères africaines se comportent. Elles attendent de petits-enfants juste après le mariage. Et s'ils ne viennent pas, elles se débrouillent pour y arriver. Si quelqu'un m'avait averti que ma belle-mère pouvait s'y retourner contre moi, je n'allais jamais le croire. Rappelle-toi de ce que je t'avais dit la fois passée. Tu dois agir vite. Mais qu'est-ce que je veux faire? Trouve une solution. Fais vite. Mais qu'est-ce salut. Qu'il y a? Mon ami, qu'est-ce qu'il y a? J'allais demander, qu'est-ce que Oga mange à son retour? Mon Dieu. Oma. Oui, madame. Sais-tu que tu es une grande folle? C'est bien ça. Maman me l'a dit. Avec leur conseil. Peux-tu la fermer? Ça se voit que tu es vraiment très grasse pour rien et tu n'as même pas une réflexion. Ne vois-tu pas que moi et mon ami sommes occupés et tu viens nous déranger? Donc tu ne peux même pas utiliser ta tête pour voir que je suis bien occupée avec mon ami ici? Bien souvent, quand j'utilise ma tête, vous n'appréciez pas... Tu n'as qu'à la fermer. La ferme et dégage ici. Elle est vraiment éhontée. Soma, je crois que j'ai un parfait plan pour que tu puisses avoir un bébé. C'est quoi ce plan? Oma ici présente peut donner à ton mari et toi un enfant. La ferme. S'il te plairait de me suggérer ce genre de choses, qu'est-ce que ça veut dire, non? Calme-toi. Que Dieu m'en épargne, ma bonne. Soma, s'il te plaît, calme-toi, c'est facile. Demande à ton mari de l'engrosser. Après cela, vous allez récupérer le bébé et la payer. C'est simple. Oui. Essaye.
mon amour. Peux-tu venir t'asseoir et me dire ce qui te trouble? Tu me mets mal à l'aise par ce que tu fais là. Est-ce que tu m'aimes toujours? Quel est ce genre de question? Bien sûr, tu sais que je t'aime. Tu sais que tu es mon monde. Est-ce que tu peux tout faire pour me rendre heureuse? Bébé, peux-tu arrêter de tourner autour du pot et me dire ce qui te trouble? Ok, j'ai une solution à notre problème. On peut avoir un bébé maintenant. Ok. Je suis à l'écoute. J'ai vu que tu as un bébé avec Oma. Est-ce que tu es normal? As-tu perdu la tête? Pourquoi dirais-tu une telle chose? Écoute-moi. Est-ce que tu t'écoutes toi-même? Tu veux que moi, je couche avec Oma, la salle domestique. Es-tu sérieuse? C'est vraiment notre seule option pour avoir un bébé. Comme ça, ta mère va cesser de m'importuner et m'embarrasser. Tu sais très bien que ça me dérange aussi. Je suis désolée, je ne le ferai pas. Enfin, c'est à cause de toi que je n'ai pas encore d'enfant. Chaque solution que je cherche à porter dans cette maison, tu n'aimes toujours pas le faire. Pourquoi tu es comme ça, dis-moi un peu? Ce n'est pas juste. Ça, c'est un chantage émotionnel que tu essaies d'exercer sur moi. Ce n'est pas juste. Bébé, on peut toujours tout faire pour l'amour. Rien n'est juste dans le fait de coucher avec la salle Oma. Je ne le ferai pas. Je suis désolé. Non, s'il te plaît. Bébé, arrête, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Peux-tu me laisser tranquille? Non. Madame, je suis là, madame. Oui, je t'ai appelée. S'il te plaît, prends place. Moi? Madame, c'est moi que vous appelez. Assieds-toi. Étonnant. Madame. Comment voudras-tu dépenser tes premiers 2 millions de naira? Hein? Madame, ces montants que vous mentionnez là risquent de me boucher les oreilles. C'est beaucoup pour moi. Ça sera de trop. Comment vas-tu dépenser tes premiers 2 millions de naira? Où est-ce que j'aurai cette somme d'argent? Ok, ok. Si peut-être, par exemple, j'ai cette somme d'argent, je vais acheter la moto. Je vais acheter un terrain et donner à ma mère l'argent pour que... Et je vais arroser mon village. Et il y a une fille précieuse qui me provoquait toujours. Je vais prendre une liasse pour la gifler avec. C'est ça. Madame, je vais acheter beaucoup de choses. Madame, ça sera une bonne affaire. Je te donnerai cet argent. Madame, pourquoi non? Qu'est-ce que je vous ai fait? Hein? Pour me donner cette somme d'argent. S'il vous plaît. Oma. Oui, madame. Je veux que tu fasses un bébé avec mon mari. Moi, Oma. Avec votre mari. Tu vas faire un bébé avec mon mari. Moi? Et tu me le donneras. Je te donnerai 2 millions de naira. Et tu partiras pour toujours. Que je fasse un bébé avec votre mari. Hein? Comment? Ça, c'est un piège. C'est pas facile, oh. Mais qu'est-ce que ma madame me raconte? Que je porte la grossesse pour un gars. Ça veut dire
que je donne à Olga un enfant? Ah, ce n'est pas possible. Mais je risque de rater l'argent. Ah, comment je vais le faire? Ok. Cet argent changera ma vie. C'est un grand montant. J'achèterai la terre. Tout ce dont j'aurai besoin. Aïe! Tout sera changé. C'est beaucoup. Oh, Olga est mignon. On va dormir ensemble. Sur son lit. Hey, je serai aux anges. Au pays des merveilles, avec Olga. Après ces beaucoup d'années de retraite, viens la visitation du paradis. Le paradis sera envahi. Olga est mignon. Dieu, c'est comme ça que tu me bénis. C'est comme ça que tu me payes. Il va commencer à me dire sur le lit, aide-moi bébé, aide-moi bébé, aide-moi bébé. Et puis moi aussi, je vais lui dire, aide-moi bébé, aide-moi bébé, aide-moi bébé. Au pays des merveilles, oh, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Je lui réserve le meilleur. Tu en auras de toutes les couleurs. Regarde, baby, baby. Très bien. Touche-moi, bébé. Touche-moi, bébé. Touche-moi, bébé. Ici. Ici. Fais-moi bisous. Fais-moi bisous. Ne t'arrête pas. Fais-le. Et... As-tu déjà réfléchi? Qu'est-ce que tu as conclu? Je veux le faire. Oui ou non? Oui. Bien. Madame, tu me connais, non? Ce n'est pas grave. Elle est d'accord de ma demande. Je vois que ça, c'est dingue. Est-ce que tu y as bien réfléchi? Moi et Omar la domestique. Comment est-ce que ça va sonner? Que suis-je même allé supposer faire avec elle? Bébé! Bébé! C'est notre seule option. Je ne veux pas que les gens nous insultent. Bébé, écoute. Dès qu'elle sera enceinte, nous allons la faire voyager. Pendant que je vais prétendre être enceinte. Et après l'accouchement, nous allons prendre cet enfant pour toujours. S'il te plaît, non. Bébé, s'il te plaît. S'il te plaît, non. Penses-tu que je suis contente pour le faire? Je suis pas contente, mais on a besoin de cet enfant. Regarde-moi, s'il te plaît. Dis oui, bébé. Omar. Juste après que tu tombes enceinte, tu partiras vivre avec ta mère. Et si tu accouches, on te donnera la somme de 2 millions de naira et nous allons récupérer l'enfant. Des millions. Hein? Je vais devenir malade, oh. Des millions. Je vais acheter tout ce que je veux, oh. Je vais acheter des terres, je vais acheter une maison, je vais acheter des propriétés, à commencer de chez Igwe jusqu'au fond du village. C'est ça. Ça sera très grand. Homme. Avec cet argent. Je vais avoir ce que je veux avec cet argent. J'aurai tout cet argent. Homme. Dans ce monde. Monsieur. Es-tu sûr que tu veux le faire? Tu n'as pas besoin de le dire. Tu vois comme je suis là. Omar, la ferme. Va dans ta chambre.
Rassure-toi de bien te laver. Mets beaucoup de parfum. Parfume-toi vraiment bien. Échange tes vêtements. Tout ça, ce n'est pas mon problème. Je me suis déjà changée. Oh. Change ton sous-vêtement. Et là, tu viens, je t'emmènerai dans notre chambre. Oui, madame. Monsieur, excusez-moi, monsieur. Pour avoir cette grossesse, tu veux que ça soit comment? Chaque jour? Ou dis-moi, comment est-ce que tu veux que ça soit? Si tu le dis, monsieur, on doit... Comme je te disais... Qu'est-ce que tu es en train de faire? Mais comment es-tu, toi? Hein? Allez, dégage. Qu'est-ce que ça veut dire? Dégage! Dégage! Quitte ici, vite! C'est quoi avec toi? C'est quelle bêtise, ça? Monsieur est allé à la chambre. Monsieur! Hey! Le sang de Jésus. Oma, mais qu'est-ce que tu as porté? Attends, enlève ce chapeau. Qu'est-ce que tu as appliqué sur ton visage? Make-up. Hein? Make-up. C'est quoi cette odeur? Tu vois, j'avais dit que tu l'aimerais. Quand tu m'as seulement dit d'aller me préparer, je suis allée et je me suis mis cette fraîcheur. Hey, mon Dieu. Madame, j'ai lavé l'intérieur. J'ai aussi bu. Oma, Oma! Pourquoi es-tu si folle? Madame, dis pas ça, non. Madame, ne dis pas ça, non. Regarde, je me suis même frottée par là. Comme ça, mais ça peut bien passer. Hein? Madame. T'es vraiment une folle, toi. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. C'est quoi cette bêtise que tu as portée? Mon Dieu, c'est quoi ça avec toi? C'est quoi cette bêtise, Oma? T'as mis un body court. Et ces pantalons? T'es vraiment une folle, toi. T'es vraiment comme un objet d'embarrassement. Écoute, tu l'es vraiment, je te dis. Allez, viens ou pas? Viens, viens. Madame, allons-y. Pas ça, non? Allons-y. Madame, je me suis lavé bon, même en bas viens. Comme ça là, pour juste faire passer, messieurs. Mais c'est que t'as porté. Allons-y, suis-moi. Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est pas bon. Je t'ai dit non, que je me suis lavé à l'intérieur. Hein? Eh, moi, bonjour, messieurs. Je t'assure, tu vas aimer. On peut attendre? Attends, c'est quelle odeur, ça? C'est un parfum. J'ai utilisé un parfum. Regarde, ça vient même de là en bas. Quoi? J'ai bu quelque chose de frais. J'ai mis un parfum. Voilà pourquoi ça vient de là. Oh, et... Qui t'a dit de faire tout ça? Tu vas aimer. Ça, non? Tu n'aimes pas cette odeur? Et... Détends-toi, ok? Et... Je suis aux anges. Sainte Marie, Mère de Dieu. Ce sera bien haut. Je le vois déjà. Eh, oui, tu as senti l'odeur? Oui, tu as senti l'odeur, hein? Calme-toi. Ma belle, pourquoi ton visage est comme ça? Tu devais être en train de célébrer. Célébrer quoi? Que je célèbre le fait que j'ai poussé mon mari à coucher avec une autre femme? Oh. Tu ne sais même pas ce que je ressens. Je comprends ce que tu ressens. Pas du tout. Je sais que ça te dérange. Tu l'as fait pour sauver ton mariage, c'était obligatoire. Je prie qu'il sauve mon mariage. Ça va marcher. Parce que je n'arrive pas à comprendre que j'ai mis mon mariage dans la misère.
Je veux que cette chose prenne fin parce que je n'arrive pas à croire moi-même. T'inquiète, tout ira bien. Je pense que c'est tout. Nous devons fêter ça. Je n'ai rien à célébrer. Allez, prends ton jeu. Hein? Call her a special lady. She is a special lady. She is a special lady. Cha! Mais c'est ça! Cha! Et bienvenue! Mais tu es rentré! Mais c'est est rentré! Et c'est mon boss qui est rentré! Ah! Mais qui l'a provoqué, oh? Qui a provoqué mon boss? Je l'ai fait pour sauver notre mariage. Je l'ai fait pour nous. As-tu fini de parler? Chérie? Je suis fatigué, j'ai eu une journée mouvementée. Je dois aller me reposer. Tu es parti ce matin sans pour autant m'embrasser. Et maintenant tu es de retour, tu veux juste entrer comme ça. Chérie. Madame, ouvre-la. Ouvre, non? Je suis désolée. Cette chose va changer notre vie. Ok, on va le faire. Ah, mon Dieu! Et tu es enceinte. Hey, Seigneur, merci. Et tu es enceinte. Hey, oui. Et tu es enceinte. Je suis enceinte. Hey, oh, je suis enceinte. Hé, vous savez quoi? Je suis enceinte de monsieur. Je vais donner un enfant à monsieur. Es-tu une folle? Donc parce qu'on les fait, tu penses qu'on est dans une même classe? Laisse-moi te dire ceci. Les bébés que tu portes et mon bébé. C'est monsieur qui m'avait rendu enceinte. La ferme. L'enfant m'appartient. Tu joues juste le rôle d'une mère porteuse. C'est tout ce que tu fais. Et après ça, le deal va prendre fin. Dégage. Dégage. Je pensais qu'on allait avoir un moyen pour parler. J'avais pris le résultat. Elle est enceinte. Elle porte un enfant. Hey, c'est ce que tu voulais. Tu devrais être contente. Je devais être celle qui porte ce bébé. C'est notre bébé. Peu importe celle qui porte la grossesse. Je devais juste... Je t'aime. C'est tout ce qui compte. Tu vois cette grossesse? Nous nous en occuperons jusqu'à la fin.
toi et moi, ensemble. Merci. Emballe tes effets. Nous allons faire comme convenu. Reste avec ta mère jusqu'à ce que tu vas accoucher. Nous viendrons prendre l'enfant et tu auras ton argent. Pas de problème, on avait déjà fait un accord. Nous allons commencer d'envoyer l'argent chaque semaine. Fais juste beaucoup attention avec cet enfant. Oma, fais attention avec cet enfant. On a besoin de cet enfant. S'il te plaît, sois prudente avec l'enfant. Seulement l'enfant, l'enfant, l'enfant. Vous vous souciez seulement de l'enfant. Et moi alors? Vous deux, s'il te plaît. Madame, tu as dit chaque semaine, c'est même mon temps. Je vais recevoir l'argent maintenant chaque week-end. Je veux savoir ça sera combien et ce sera pour combien de sous avant que la fin ne naisse. Oma, dégage. Va emballer tes effets maintenant. Bébé, après l'accouchement de Oma, vous n'avez pas une affaire ensemble. Pourquoi est-ce que tu t'inquiètes pour elle? Dis-moi un peu. Maman! Maman, oh! Maman! Maman, je suis rentrée! Maman, je suis rentrée! Ah! Oma! Hey. Tu es revenue? Oui, maman! Hey! J'espère que tout va bien! Oui, maman! Ah! Je suis rentrée! Tu es revenue, j'espère que tout va bien. Il doit y avoir un problème pour que je vienne voir ma mère. Est-ce que cela doit être un problème? Mon enfant, c'est pas mauvais. Tu n'as rien fait de mal. C'est juste que je suis surprise de te voir. C'est ça, ma fille. Alors, comment va ton patron et sa femme? Ils vont bien. Ils sont allés au travail. Pas de problème. Bienvenue, ma fille. C'est bon. Maman, je t'ai pas manqué. Tu m'as beaucoup manqué, ma fille. C'est bien que tu sois revenue. Je t'aime aussi. Maman. Ma fille, tu ne vas pas changer. Je sais de quoi tu parles. La nourriture. Est-ce que je me trompe? C'est ça, n'est-ce pas? T'inquiète, ma fille. Allons à la maison et à manger. J'ai manqué ta nourriture. Hey! Oh, mon maman, Dieu, en tout cas. Amène ça très vite. Amène ça. Oma! Maman, j'ai trop faim. Oma, allez, vas-y doucement. Pourquoi manges-tu comme un lion affamé? Ton patron et ta madame ne te nourrissaient pas bien? Maman, calme-toi. Calme-toi, non? Si je finis de manger, je vais te dire tout ce qui se passe. Tu as intérêt à parler, mais sinon la foudre qui est en train de se balader quelque part viendra s'abattre sur toi. Parle! Ok, maman, je suis enceinte. Tu es enceinte? Donc, Oma, tu veux ramener la honte sur cette famille? Tu veux devenir la honte pour cette famille? Maman, t'inquiète pas, ce n'est rien. Ce n'est que c'est mon patron qui m'a engrossé. Tu veux dire que c'est ton patron qui t'a rendu enceinte? Chérie, viens voir. N'est-ce pas que c'est très beau, cet habit? Bébé, c'est petit. Chérie, les bébés sont trop petits.
Je l'ai eu au supermarché très tôt aujourd'hui. Il y avait une dame qui m'appelait. Viens acheter, voilà pourquoi je l'ai fait. C'est un peu ça. Je vois que tu es très contente. Heureuse? Être heureuse n'est pas vraiment très compréhensible. Honnêtement, tu ne sais pas ce que je ressens. Il n'y a pas de mots pour signifier ce que je ressens pour le moment. Merci énormément. T'inquiète, ok, très bientôt, Oma accouchera. Et je sais qu'elle se porte aussi bien. Ça ne te regarde même pas ça. Ce qui est important est que tu es heureuse. Et ça fait longtemps que je t'ai vue dans cet état. Oui, je suis très heureuse. Et merci pour ce service. Toute chose se passe très bien. Je le sais, ok. Regarde un peu ça. C'est joli. Oh, mon Dieu. Mais là, comment va mon bébé? Est-ce que je t'ai quand même manqué? Bien sûr que oui. Maman, qu'est-ce qui se passe, non, hein? Tu ne fais que me regarder façon. C'est mon patron qui m'a engrossé. Oma, j'aimerais te poser une question. Qu'est-ce que ton patron t'a dit pour sortir avec toi et te rendre enceinte? Hein? Il a dit que j'étais bonne. Il ne m'a pas vue comme une vache et féroce. Je me suis bien défendue. Regarde, ma madame m'avait demandé d'aller dormir avec monsieur. Si je couche avec monsieur, ils m'ont dit qu'ils vont me donner, maman, 2 millions de naira. 2 millions, beaucoup d'argent. Tu veux dire 2 millions de naira? Mm-hmm. Donc, 2 millions de naira juste comme ça? Regarde, maman, te dérange pas. Tu as compris? Maman, c'est de la bénédiction. Tu as compris? Ils sont bénis. La grossesse que j'ai, et si seulement j'accouchais et que je leur donne l'enfant, ils vont me donner 2 millions de naira. Voilà pourquoi je vais accomplir mon plan. C'est pour ça que ton patron a accepté de sortir avec toi, pour que tu leur donnes un bébé? Oui, oh. Maman, je ne suis pas bête. J'ai pensé à ça. Hein, maman? Regarde là où on habite. Hein? Avec ces 2 millions, on va construire une maison. On va acheter un champ. On va acheter une voiture. Et on va faire un grand shop. Nous allons vivre mieux, comme les gens qui sont à l'extérieur du pays. Mm-hmm. C'est du business. Maman, tu vois, ça, c'est du business. Alors, après avoir accouché, qu'est-ce qui va se passer? Ils te donneront de l'argent? Cash. Maman, cash. Mon ami, mm-hmm. Je suis maintenant très, très contente. Mm-hmm. Ma maison est maintenant dans une paix terrible. Alors, dis-moi, n'est-ce pas que tu es contente maintenant? Bien sûr, oh. Merci. Je t'en prie. Merci en tout cas pour tout. Pour une première fois dans ta vie, tu m'as donné un très bon conseil, mon ami. Je sais. Oh, s'il te plaît, arrête, tu vois. Je te taquine. Je sais. Hein? Alors, as-tu informé ta belle-mère à propos de la grossesse? Ne connais-tu pas comment elle est? Je ne l'ai pas encore fait, s'il te plaît. Je me réjouis d'abord de mon mariage. Je le dirai au moment opportun. Je suis contente pour toi, ma belle. Tu mérites tout le bonheur du monde. Merci. Merci beaucoup. Alors dis-moi, comment à propos de ton homme? Oublie celui-là. Trinquant. Mais attends, avec tous ces hommes, ne peux-tu pas t'attraper, hein? Oublie ces gens-là. Oma. Ma? Ça fait 5 mois depuis que je réfléchissais. Et je suis arrivée à une conclusion. Hein? C'est quoi? Tu vois ces 2 millions que ton patron va te donner? On va acheter des terres? Tu ne dois pas les prendre. Hein? Maman, c'est quoi ça, Noah, encore? Qu'est-ce que tu es en train de dire? Maman, regarde, non? On va avoir cet argent. J'ai dit 2 millions. On vient d'ici pour aller là-bas, oh. Cet argent va payer cette maison. Nous allons détruire cette maison et reconstruire. On va acheter... On va acheter une moto. Maman, on va avoir cet argent. On va avoir ça. Ma fille, essaye de réfléchir. Hein? Est-ce que ces 2 millions est plus important
que le fait que tu sois mariée avec Chidema. Dis-moi, écoute, habiter dans ces manoirs, premièrement, tu seras très bien nourrie. Tu voyageras même à l'étranger, voire même conduire des voitures. Essaye d'imaginer, ma fille. Tu veux juste accepter les 2 millions de Naira, ensuite t'en aller comme ça? Non! Non. Ce n'est pas possible. Essaye d'y penser. 2 millions? Réfléchis. Maman, je préfère l'argent. Non, je préfère l'argent parce que cet argent va changer ma destinée. Maman, on va vivre dans le luxe. Ou bien tu veux que nous puissions vivre dans la même vie? On va quitter cette vie, je te dis. Tu sais qu'on n'était pas habitué à vivre comme ça, non? Tu le sais. Et on va bien manger. On va vivre une bonne vie. Après avoir fini de parler ici, on va aller là-bas. Les grandes motos qu'on va conduire, ça demande aussi de l'argent. Regarde, Dieu nous a bénis. Et en plus, Dieu nous a donné une grande bénédiction. Toute cette folie n'aura pas de sens. Parce qu'on va acheter cette terre. On va acheter ça. Je vois que tu ne comprends pas ce que je dis. Tout ce que je sais, que tout ce que je veux, que tu puisses te marier à cet homme. Cet homme-là va m'épouser, oh. Je n'ai vraiment pas envie de parler. Non, j'étais dans la cuisine lorsque tu as brûlé. Alors tu fais quoi? Laisse-moi te rappeler après. Oma. Bienvenue. Merci. Est-ce que tout va très bien? Oh, tout va parfaitement bien. Oh, Dieu merci. Comme tu peux le voir, Oma, ma fille, est venue prendre ce qui lui revient des droits dans cette maison. Excuse-moi, maman, je ne comprends pas. Ma maman dit que je suis venue prendre ma place en tant que l'épouse du patron. C'est ça. Ok, c'est une blague ou quoi? Non, c'est pour rire. Tu crois que nous sommes venus pour blaguer? Pas de problème, tu le verras de tes propres yeux. Oma, on y va à l'intérieur. Ok, maman. Partir où? Quand le moment viendra, tu le sauras. Mange pour le bien de ton enfant. Pas de problème, maman. Mange, maman. Maman. Hein? Comment oses-tu prendre ma nourriture dans la cuisine sans pour autant me prévenir? Comment ça que je te demande? Comment ça que je te demande? Tu veux te gifler, non? Es-tu folle? Es-tu folle? Maman, hey, maman. Frappez ma fille, Nick. Attaque. En ma présence. Toi. Comment oses-tu? Donne-moi. Hein? Donne-moi. Reviens. Maman, attaque. Attaque. Reviens ici. Maman, reviens. Attaque. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Reviens ici. Tu sais que je suis enceinte. Tu sais que je suis enceinte. Hey. Tu sais que je dois manger. Prends ma fille. Merci, maman. Mange. Allez, merci. Mange. Pour qui est-ce qu'elle se prend? Tu connais bien ta mère, Oma. Si elle se comporte n'importe comment, elle aura n'importe quoi. Je mange. Je suis enceinte. Ça ne peut pas continuer ainsi. Nous devons faire quelque chose, chérie. Que pouvons-nous faire? Elle porte notre bébé. On ne peut pas lui permettre de continuer à nous traiter ainsi dans notre propre maison. Ma chérie, tu dois te calmer. T'inquiéter n'est pas la solution au problème. Parce que je ne crois pas que Oma pouvait se retourner contre nous après tout ce qu'on a eu à faire pour elle. Ah, bien. C'est l'être humain pour toi. La seule chose qui est constante, c'est le changement. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons traverser le pont. Ok? D'accord, j'espère bien. Bien sûr. Oma. Ma? Ma fille, c'est comme je te le disais. Ne laisse personne te mettre à la porte de cette maison. Tu m'entends? Oui, maman. Oh, je sais ce que tu peux faire. Oh, après tout, c'est toi qui portes maman, le bébé. C'est toi qui as le maman, bébé, pas elle. Maman, tu vois seulement comme ça, là. Hein? Je vais entrer ici. C'est ça. Tu vas devenir chez moi. Je veux me rassurer d'avoir cette maison. C'est vrai. Je vais être propriétaire. Bah, oui, non. C'est oui, ça. Oui, non. On va plus rentrer. Exact. Oui, oh. Écoute, si cette sorcière veut,
Elle peut faire le pied d'ici jusqu'à Jérusalem. Mais ça ne changera rien au fait que c'est toi qui portes l'enfant. Oui, non. C'est toi qui es enceinte. Oui, hein? Ça ne me concerne pas, oh. Regarde, tout ce qu'ils sont en train de dire, ça ne me concerne pas. Ça regardez ne va pas ma fille. Changer. C'est déjà mon business. Tu sais, on va aller de gloire en gloire. Parce que moi, j'ai l'enfant avec moi. C'est comme ça qu'on va monter. Ma fille, oui. Laisse-moi commencer à partir. Mais si seulement quelque chose, si quelque chose se passe, ma fille, juste fais-moi savoir. Je vais t'appeler, non. Ma fille, je m'en vais. Oh. Ouais. Être enceinte. Reste être en paix. Enceinte. Hey. Ce n'est pas facile, oh. Salut chérie. Chérie. Tu es de retour? Tu n'es pas de bonne humeur. Est-ce qu'il y a un problème? Tout va bien jusqu'à maman a appelé. Ok. Elle va venir. Elle quoi? Pourquoi non, bébé? Pourquoi ne pas lui dire que ce n'est pas le moment de venir ici? J'ai essayé, chérie. Tu connais très bien ma mère. Elle a insisté qu'elle apportait de l'herbe pour toi et pour le bébé. Dieu le Père, pourquoi non? Hein? Premièrement, c'était Oma et sa mère. Maintenant, c'est ta maman. Je ne peux plus supporter ça. On ne peut que le supporter. C'est facile pour toi de le dire. On va le surmonter. Oh, s'il te plaît. J'ai fait de mon mieux pour la décourager, mais elle a insisté. Mais pourquoi ta mère aime toujours venir ici à tout moment? Oma, j'ai à te parler, s'il te plaît. C'est très urgent. Ma belle-mère viendra ici dans peu de temps. J'aimerais que tu fasses semblant de tout et que tu sois très forte. M'as-tu entendu? Ok. S'il te plaît, je t'en prie au nom de Dieu. Nous deux savons que tu n'es pas bien et que tu es une folle. Mais je t'en supplie. Agis dans le bon sens pour une fois. Ne t'expose pas toi-même. Merci beaucoup. Je comprends que tu as fini tout le riz qui était dans cette maison. C'est bien. Entre maman. Hey, où est ma... Hey, ma jolie belle fille. Hey, non, non, reste assis. Non. Ça va. Salut ma fille. Comment vas-tu? Bien, merci maman. Fais entrer mes colis. Bienvenue, hein? Maman. Maman, j'aime pas ton ma jolie fille. Hein? Comment se passent les voyages, maman? Ça s'est bien passé, ma fille. Hey, Omaletia. Maman. Ma jolie belle fille. Regarde comment tu brilles. Merci, maman. La grossesse te rend encore plus belle. Oui, oh, mon mari fait un très bon travail. Je peux le voir. Tu ne peux même pas me plaindre. T'inquiète, je suis là. Je vais prendre la relève. Maman, tu n'as pas à t'inquiéter, oh. Je ne me plains pas, ma fille. Non. C'est de mon devoir. Hein? Oh, Maléja. Comme tu le dis. Hé, hey, je suis très contente. Finalement, beaucoup, finalement, tu vas me donner des petits enfants. Hé, hey, Dieu, tu es merveilleux. Je ne sais pas si ça va très bien se passer. Nous devons faire quelque chose. Tu connais bien ma mère, n'est-ce pas? Elle peut à peine contenir son excitation. Sais-tu combien de temps elle va faire ici? Ça, je ne saurais lui dire. Alors, si elle décide de rester avec nous jusqu'à ce que je vais accoucher... Hey, sans effet. Dieu ne permettra pas qu'elle reste ici. Nous allons trouver un moyen pour qu'elle parte. Vraiment? C'est comme tu ne connais pas ma mère. Tu sais que ça créera des problèmes. Et c'est ce que nous devons chercher à éviter. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va maintenant faire, hein? Prions que ça aille selon le plan. Qu'est-ce qui se passe ici? Bia?
Qu'est-ce que tu fais? Hein? Es-tu supposé dormir à 7 heures pendant que tu es censé travailler? Hein? Allez, lève-toi. Y a quoi? Pourquoi tu dors ici? Pourquoi je dormirai pas? Est-ce que c'est ça la chambre? Tu dors sur la chaise de mon fils. Allez, lève-toi. Lève-toi. Lève-toi rapidement et va dormir dans la chambre. Maman, je lui ai demandé de dormir là. Elle ne se sent pas très bien. Que fais-tu de reparler? Elle ne se sent pas bien. Donc, tu ne sais donc pas que cette fille peut aussi être en train de faire semblant? Non, maman, elle ne se sent pas bien. Elle m'avait déjà dit ça. Donc, c'est pour ça qu'elle doit... Allez, lève-toi. Tu veux casser la chaise de mon fils? Lève-toi rapidement. Lève-toi. Je dis debout. Maman. Mets-toi debout. Tu veux casser la chaise de mon fils? Calme-toi. Elle a la malaria, elle fait des... Lève-toi debout, fièvre. Elle ne dormira pas ici. C'est quoi cette histoire? Tu veux casser la chaise de mon fils? Hein? Je suis chez moi. Chiniqué? Hein? Attends, lève-toi, debout. Va-t'en, quitte là, idiote. Va-t'en, envoyez-moi cette idiote. C'est quoi ton problème? Va-t'en, essaie plus jamais de dormir sur cette chaise. Prends, va-t'en. Ah ah. Donc c'est comme ça que vous vivez dans cette maison, c'est ça? Prends tes affaires et vas-y, va-t'en, ne viens plus dormir ici. Mais voyez-moi cette fille. Ah, mon ventre. Hé, hey, ma fille, désolée, mets-toi. Oui, doucement. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, je suis désolée, hein? Désolée. Allonge-toi. Oui, c'est bon, maman. Mets ta jambe de ce côté. Oui, attends, attends, je vais t'aider. Oui, non, ça comme va. Ça. Ça va. Oui. Mais aussi l'autre. Ouais, ok. C'est bon, ma fille. Ça va aller. Hein? Maman. Désolée, hein. Attends-moi, je reviens. La nourriture n'est pas encore prête. Je vous dis pas, j'ai tellement très faim. Chineke, bien. As-tu oublié que tu n'es qu'une bonne dans cette maison? Ah, maman, t'inquiète, hein. Oma, va dans la chambre. Je viens te faire signe après. Ok. Je ne comprends plus rien. C'est toi la bonne ou soit c'est elle? Qu'est-ce qui se passe? Maman, s'il te plaît, continuons d'abord ce qu'on faisait. Soma, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu laisses cette fille prendre des ailes dans cette maison. Ce n'est pas normal. Maman, c'est juste parce que tu la détestes. Ah, je ne comprends plus rien. Je suis perdue. Mon fils, il suffit seulement de voir comment tu manges cette nourriture pour savoir que ça te plaît. C'est délicieux. Ma belle-fille et moi, nous avons cuisiné ceci. Spécialement pour faire plaisir à tout le monde. Maman, je suis content que tu sois là pour prendre soin de ma femme. Bien sûr. Merci. C'est mon devoir. S'il te plaît, je fais une observation. Cette fille, Oma, je vais dire ta bonne, votre bonne. Je vais dire, vous lui donnez trop de l'importance. Je parle de la façon dont elle se comporte. Elle se comporte comme bon lui semble. Tout ce qu'elle fait, c'est manger et dormir. Je veux dire, elle devient une nuisance pour cette maison. Maman, Oma ne se sent pas très bien, hein? Je te promets, dès qu'elle va bien se sentir, elle va très bien reprendre son travail. Si je ne savais pas ce que je sais, j'allais dire que c'est elle la propriétaire de cette maison. Suite à la façon dont elle se comporte. Ça va, maman. Jouissons de ce mets délicieux. Je veux dire, tu m'as appris les bonnes manières à table. Donc, s'il vous plaît, observons ça. Je crois que tu as raison, mon fils. J'ai vraiment très peur. J'ai peur de ce qui peut arriver dans les futurs. Rien ne va se passer. Tu dois te calmer et arrêter de te stresser excessivement. Oma est en train vraiment de me faire souffrir. Peux-tu parler avec elle? Je lui parlerai, mais tu dois te détendre. Calme-toi. Tout marchera bien selon notre plan. Ok? Souris.
mon bébé. Oh, c'est bon. Chineke, Oma, que crois-tu faire, dis-moi? Je mange, non? Tu manges dans la casserole. Tu es en train de manger dans la casserole. Ça ne va pas ou quoi? Es-tu folle? J'avais trop faim, non? Est-ce que c'est un problème? Voilà pourquoi je mange. Donc c'est pour ça que tu dois manger dans la casserole? Mon Dieu, je suis sûre que tu as fini les riz qu'on avait préparés pour trois personnes. Comment ça, toi seule? Tu n'as pas honte de manger comme ça? C'est quoi ton problème? Tu peux pas me laisser tranquille? Donc c'est pour ça que tu dois manger tout ça seul? Ça ne va pas? Donne-moi ça, idiote. Donne-moi. Tu veux tout finir dans cette maison? Donne-moi ma nourriture. Donne-moi ma nourriture. Je crois que je sais quoi faire avec toi. Tu es une nuisance dans cette maison. Je vais parler à mon fils. Et je vais me rassurer qu'on te mette à la porte. Pousse-toi là-bas. Que veux-tu faire? C'est parce que je te respecte, oh. C'est parce que je te respecte. Pour qui tu te prends dans cette maison pour manger comme ça? Tu ne peux pas continuer à manger comme ça, non? Oh, Jésus! Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, Oma! Mon fils! I'm free! Oma! Allez, Soma! Mais maman, pourquoi tu as ce visage? Comment est-ce que je pourrais aller bien? Comment est-ce que je pourrais aller bien, Soma? Pourquoi Humphrey et toi, vous permettez à cette fille, Oma, de se comporter n'importe comment dans cette maison? Hein? Hein? Peux-tu imaginer? Je l'ai attrapée en train de manger la marmite pleine du riz. Oma! Oma! Hein? Elle mangeait comme un porc. Goum, 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 en désordre. Elle seule. Maman, s'il te plaît, je suis désolée. Hein? Mais qui peut faire ça? Maman, t'inquiète, je vais parler avec elle. Je vais faire un petit repas pour toi. Tu vas bien manger, t'inquiète, maman. Qu'est-ce que tu feras? Dans cet état, tu vas aller te stresser en faisant la cuisine pour elle? Pendant qu'elle a fini la marmite remplie de nourriture? Maman, s'il te plaît, ne la suis pas, oh. C'est une fille qui n'a pas de manière. Elle n'a pas de sens, mais je vais parler avec elle. Maman, s'il te plaît, ne te stresse pas à cause de cette fille qui manque de sens. Je n'aime pas ça. Vous devez la remettre à sa place. Ça, c'est pas la cuisine de sa maman. Maman, t'inquiète, hein? Ça ira. C'est quoi ça? Essaye de manger ça. Vas-y, maman. Ok, vas-y. Merci, maman. Ma fille. Mange avec ta belle fille. Prends ça aussi. Merci. Merci. Maman, c'est comme ça que je crie tous les jours dans cette maison. C'est toujours comme ça. Qui est là? C'est moi. Patron, c'est moi. Homme. Monsieur, est-ce que tout va bien? Rien ne va, oh. Il commence à me dire, je vais aller dormir avec papa, papa, papa. Oma, s'il te plaît, tu ne peux pas le faire. Ta chambre est très confortable. Pourquoi ne pas aller dormir là-bas? Je n'ai pas compris. Mais Oma, moi, je veux dormir ici. Oma. Hey, Oma. Bébé, désolé. Oma, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il veut dormir avec allez, toi. Oma, il veut dormir avec toi. Oma, je sais qu'il va dormir avec son père. Allez, dégage. Il veut dormir avec papa. Hein? Je vais dormir ici. Moi, je vais dormir ici. Mais qu'est-ce que tu fais ici? N'est pas en Paris. Patron, c'est Oma. Patron, n'est pas en folie. Reste ici. Désolé, bébé. Oma. Il a besoin de toi, non? Oma, va dans ta chambre. Oma, sors d'ici. Va dans ta chambre, reste ici, non? Oh, Dieu. Je suis en train de t'appeler, non? Bonjour. Vous dormez toujours? Ah, maman, non, nous sommes réveillés. On va bientôt sortir. D'accord. J'espère que vous avez bien dormi. D'accord, bonjour. Maman? Merci d'avoir réveillé très tôt matin pour faire le petit déjeuner pour nous. Oui, maman, merci. Tu vois, ça me rappelle lorsqu'on grandissait. Tu te réveillais très tôt pour nous faire le petit déjeuner. Ah, ton père.
Que son âme repose en paix. Amen. Il adorait quand on dînait ensemble. Il aimait les moments qu'on partageait ensemble en famille. Hein? Il me manque. Vraiment. Vraiment. Mmh. Et qu'est-ce qui se passe noué pour moi? C'est ça, oh. Tu n'es gay. Que crois-tu faire, Oma? Je mange, hein. Hein, Oma? As-tu oublié qui tu es? Comment ça? Comment oses-tu venir à table sans être invité? Qui peut m'inviter? Oh mon Dieu, mais voyez-moi cette fille. Hein? Soma. Mais qu'est-ce qui se passe ici? I'm free. Quelqu'un peut m'expliquer? Considérez-moi comme un membre de famille. I'm free. Maman. Peux-tu m'expliquer ce qui se passe dans cette maison? Maman, Jésus. Maman. Je suis très désolé. Le docteur a dit que la maladie commence à l'affecter psychologiquement. Et en quoi est-ce que ça te regarde? Tu ne peux pas la mettre à la porte. Mon ami, arrête ça. Es-tu malade? S'il te plaît, es-tu folle? Maman, allez, dégage d'ici, idiote. Chambre. Mais monsieur, tu ne dis pas que... Va dans ta chambre. Bien. Es-tu folle? Sors d'ici. Disparais d'ici, idiote. Voyez-moi comment elle est obèse. Elle refuse de partir. Dégage de là. Je ne comprends plus rien. Hein, Humphrey? Je suis très désolé, maman. J'ai perdu d'appétit. Je suis désolé. Maman, j'ai mon appétit. J'ai mon appétit. Je suis désolé, maman. Comme vient de le dire mon mari, le docteur a dit que cette maladie a affecté sa tête. Et là, en quoi ça te concerne? Il a aussi dit que nous devons lui montrer de l'amour familial. Je veux dire... Est-elle de ta famille? De quel amour es-tu en train de parler? Désolé, maman. Bientôt, elle se portera bien. Tu le sais bien, non? Tu sais que nous croyons en l'humanité. Nous sommes comme sa famille. Essayons de la soutenir, lui montrer de l'amour. Elle se portera bien, très bientôt. Je te promets. Je ne comprends pas du tout ce qui se passe. Oh, maman, tu vas beaucoup me manquer. Tu vas aussi me manquer, ma belle fille chérie. Rassure-toi de bien prendre soin de toi. Je le ferai, maman. Tu sais quoi? N'oublie pas de saluer tout le monde de ma part. Bien sûr, je le ferai. Merci, maman. Je le ferai, ma fille. Merci, maman. Et je leur dirai aussi combien tu es belle avec ta grossesse. Hein? Il y a un truc que j'allais oublier. Vous voyez cette bonne que vous appelez Oma? Vous devez la remettre à sa place. Vous lui donnez trop de privilèges dans cette maison. Maman, t'inquiète, je veux résoudre ça. Ça va, maman. Partons. Je suis en retard. Tu sais que je dois te déposer. Au revoir. Ok, maman. Prends soin de toi et de ton bébé, ok? Pas de souci. Maman, je reviendrai avant que tu n'accouches. Je serai d'accord. Impatiente de te revoir. Je t'aime. Mon ami, je te dis que ce n'est pas facile. Je vis maintenant comme une bonne dans ma mise, alors que Oma vit comme une madame. T'es pas sérieuse. La même Oma que nous connaissons? Ma chérie. J'ai du mal à y croire. C'est vraiment très grave. Cette fille me fait mal à la tête. Je ne t'avais pas dit. Elle pouvait tout raconter à ma belle-mère. J'espère qu'elle n'a rien dit. Ah, comment? Je devais tout gérer pour que cela ne puisse pas se réaliser, ma chérie. Ma belle-mère est une femme folle. Ma belle, nous devons remettre cette fille à sa place. Qu'est-ce qui ne va pas avec elle? Mettre qui à sa place? Oma. Elle était venue avec ta mère. Je ne t'avais pas raconté. Hein? Oui, elle était venue avec sa mère. Et cette fois-ci, mon mari devait l'épouser. Dieu merci. Imagine un peu le courage. Dieu merci que ça n'a pas marché. Est-elle folle? Elle est folle, sûrement. J'en suis sûre. Hey! Mais voyez celle qu'on essaye d'aider. Entre moi et ma belle-mère, ça va maintenant. Ma chère. C'est maintenant Oma les problèmes. Je prie qu'elle ne fasse pas un problème. Parce que je ne sais où commencer. Mon mari est en train de partir. Ton mariage n'est pas en train de partir. Tout ira bien. Hein? Merci. Ok. Alors Justine, je te trouve très belle. Qui est cette homme? Hey, ma belle, si je te l'ai dit. Dis-moi. Si non, je te l'ai dit. Dis-moi. Hey. Soma. Soma. Hey. Soma. Soma, qu'est-ce qu'il y a? Es-tu folle? Pourquoi cries-tu mon nom de cette façon? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à moi que tu parles. Peu importe, je te pardonne. J'ai faim. Fais pour moi un bon riz,
Un vrai bon riz. Attends, d'abord, m'as-tu appelé par mon nom? Oma, dis-moi s'il te plaît. Donc tu veux que moi, j'aille à l'intérieur pour te préparer quelque chose à manger? Toi aussi, tu penses que j'aille préparer dans de telles conditions, oh? Dans de telles conditions, tu veux que j'aille préparer? Sais-tu comment je me sens stressée? Tu crois qu'elle serait d'être enceinte? Tu sais combien Oma, c'est... Oma, es-tu folle? Je suis ta patronne. Tu vois, et madame malade, c'est ça? Mm-hmm. Madame malade, va vite à la cuisine. Les bébés veulent rire avec la soupe. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Je n'ai pas assez de force cet après-midi. Hein? Oui. Tu veux tuer les bébés? Il y a le riz que tu cherches dans la cuisine. Alors va te servir pour que tu manges. Mm-mm. Les bébés ont besoin du riz avec la soupe. Et que tu mettes aussi tous les ingrédients. Tu le fais bien tourner. Tu m'as entendu? Je t'ai dit que ça soit beaucoup, hein? Les riz! Ça suffit. Arrête de crier. Je ne suis pas en train de crier. Ok, tu ne veux pas le faire? Va le faire. Fais vite, oh! Ajoute un peu du piment. Je veux que ça soit pimenté. Une sauce bien pimentée. C'est ça. Personne, oh! Je dis personne! Alors, bébé, c'est maintenant que tu arrives. Hé! Hey! Elle est venue à mon bureau à l'improviste. Elle a fait quoi? Oma, hmm? C'est depuis qu'on s'est bêtise. Comment oses-tu aller visiter mon mari sans que je le sache? Écoute-toi dire, mon mari. Ton mari est le nôtre maintenant, oui? Il est le nôtre. Tu vois le bébé, il a commencé à pleurer. Mia, mia! Il veut voir papa. Il veut voir papa. Au lieu d'aller au bureau de papa. Bébé, mm-hmm. Pendant combien de temps on doit supporter ces bêtises, dis-moi. Pourquoi toutes ces bêtises? On va le faire bien maintenant. On va le partager, nous deux. S'il te plaît. Bébé, non, non, non. Calme-toi, s'il te plaît. Non, tu veux taper, oh? Tape une femme enceinte. Laisse-moi. Écoute, je ne suis pas folle comme toi. Hein. Mm-hmm. Fais gaffe, je dis. Mon bébé. Mais non, mais elle exagère, chérie. Non, j'en ai marre. Homme, ne parle plus à ma femme de cette manière. Je vais lui parler comme ça. Je vais lui parler. Tu parles de la femme, mais c'est moi qui suis enceinte. Râle enceinte, comme c'est facile. Bébé. Qui bébé? Bébé. C'est moi que tu devais appeler bébé. C'est facile, hein? Mmh. Est-ce qu'elle peut porter une grossesse? Hein? Pourquoi tu l'appelles bébé? Ok, peu importe. Je suis enceinte. Je vais accoucher. Bébé. Viens. Viens ici. Qu'est-ce qui te stresse? Suis-je bien pour toi? Suis-je bien pour toi? Bien. Oma m'a demandé d'aller au supermarché pour lui acheter les épices pour Banga Soup. Parce qu'elle ne saura pas manger ce qu'on a préparé aujourd'hui. Maintenant, est-ce que c'est bien pour toi? Je suis désolé que tu aies dû traverser tout ça. Je suis désolée. C'est tout ce que tu as à dire? Que veux-tu que je dise? Souviens-toi que c'est toi qui as porté cette idée en premier lieu. J'ai juste accepté parce que je voulais te plaire. Oh, c'est de ma faute maintenant? Oh, à qui revient la faute de ma stérilité? Vraiment? Oui. Si tu n'étais pas ivre ces jours, je ne vais pas me mettre dans cette condition. Le docteur a dit que tu pourrais tomber enceinte. Oh, s'il te plaît! Ok, docteur, est-ce que tout va bien? Docteur, de quoi parlez-vous? Bébé, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit que tu pourrais ou ne pourrais pas. Tu m'as dit mot depuis qu'on a quitté l'hôpital. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? As-tu entendu le docteur? Je suis maintenant stérile. Nous ne pouvons plus avoir des enfants. On ne peut pas perdre de l'espoir. Tu l'as entendu dire que par le traitement approprié, nous pouvons avoir nos propres enfants. Oh, s'il te plaît, arrête de me flatter. Tu dis ça parce que ce n'est pas toi. Non.
Je ne te pardonnerai jamais, Ouf. Tu es la cause de mon problème. Même le docteur a dit que nous avons 50% de chance. N'ose plus me parler, s'il te plaît. Combien de temps sommes-nous partis pour le traitement? Dis-moi, ai-je conçu? Est-ce que je pourrais encore concevoir? Non, suis-je tombée enceinte? Mais tu es normale. Oh, pardon. S'il te plaît, va là où tu dors. Veux-tu aussi me pousser? Non, je refuse. Va là où tu dors d'habitude. Non, je refuse, je dis, bébé. Va là où tu dors d'habitude. Non. C'est toujours moi que tu condamnes. C'est pas juste. C'est toujours moi la fautive. C'est pas normal. Non, je refuse. Je refuse. S'il te plaît, va là où tu dors d'habitude. Bébé. Ouais, tu vas bien? J'ai faim. Je ne vais pas bien. Bien, tu m'ajouteras arriver à la maison. Je ne peux pas attendre dans cet état. Et achète-moi quelque chose de frais, hein? J'ai chaud. Moi, je te dis que j'ai faim. Tu veux me faire attendre? Tu veux me faire attendre? Nous sommes pas loin de la maison, ok? On est encore loin de la maison. Je me sens pas bien. Ok, ça va. Je vais passer à ShopRite pour t'acheter à manger, ok? Non, je veux manger quelque chose de consistant. Quoi? Les histoires qu'on prépare dans des restaurants mobiles, là. Les repas ne sont pas hygiéniques. Hein? Allons plutôt à ShopRite. Cette nourriture, elle est très bonne. Elle est très bonne pour Comment moi. Comment puis-je trouver de la nourriture au bord de la route maintenant? Va seulement acheter la nourriture là-bas. Hey. C'est ShopRite ici. Non. Regarde. Ok. Oui, c'est ici. Regarde, c'est ici. Là? C'est bien. C'est de la très bonne nourriture. Oh, mais cet endroit n'est pas hygiénique pour toi et le bébé. Allons plutôt à ShopRite pour acheter ce que tu veux. Le bébé veut ça. Le bébé a dit, maman, je veux manger ça. Oh, mais s'il te plaît. Allons à ShopRite, s'il te plaît. Toi, tu pars, moi, je reste ici. Ici, c'est bon pour... Si tu ne veux pas partir, c'est pas grave. Le bébé à l'intérieur va commencer à me tapoter comme... Si seulement je mange, il sera bien. D'accord. She is a special made. Make una come and see this maid. She dey do her work with the happiness. Washing and setting, she sabi. Home cleaning, she sabi. Home service, she sabi. Oga massage, she sabi. And maintenance, she sabi. What of the other room, uncle? She sabi. She is a special maid. She is a special maid. She did do her work
wale wale. She's a behind her, but wale wale. She can do her work, wale wale. Call her a special lady. She is a special lady. She is a special lady. She is a special lady. She can do her work, wale wale. Salibon, funny work. She's a behind her, but wale wale. She can do her work, wale wale. Walk good day, walk good day. Job good day, job good day. Made the day, made the day. But made the past made. This one a special, special made you. Make una come and see this maid. She dey do her work with the happiness. Washing and setting, she sabi. Home cleaning, she sabi. Home service, she sabi. Oga massage, she sabi. And maintenance, she sabi. What of the other room, she sabi. Today is gone, it has gone. It will never come back again, in my love. So bless whoever bless you. Don't curse who God never curse. Be careful in this life. My curse of my little name, it's a power. This opportunity. Don't let it pass you by with your greedy and selfish interest. This opportunity, don't throw it away. Don't let it by. Oh, special made. Oh, special made. Bébé, ne m'abandonne pas maintenant, ok? Sois courageuse, nous allons arriver à bout de tout ça. Je ne suis plus forte, Wilfried. Je le sais. Et si je prenais demain pour rester avec toi à la maison afin de te dorloter toute la journée? Tu vas le faire pour moi? Ouais, je le ferai. Je traverserai un millier d'océans pour toi. Je renoncerai à tout au monde juste pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que tu es mon estimable. Tu es mon bonheur. Tu es la raison de mon existence. Tu me donnes de la joie. Tu es mon monde. Je t'aime. Je t'aime aussi, bébé. Viens un peu. Alors, Monsieur Jackson. Oui. Vous pouvez voir que cette proposition est bien détaillée. Ok. Ok, laissez-moi voir ça. C'est la première fois que mon entreprise va travailler avec la vôtre. Mais je vous assure que nous allons vous satisfaire à 100%. Ok, prenez votre temps. Très bien. Ok, je vais... en tout cas, c'est la bonne. Vous avez vraiment la meilleure ici. C'est vraiment très bien. Ça, c'est bien. Monsieur Humphrey, je veux que vous sachiez que le mot dans le contrat, ça ne dépend pas seulement de ce que vous dites, ou encore moins ce que vous devez dire, vous voyez, cela ne dépend pas seulement de ça, vous devez juste être très professionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Faut juste que votre compagnie soit là pour nous livrer à 100%, c'est tout ce dont j'ai besoin. Monsieur Jackson, c'est notre profession. Nous sommes l'une des meilleures. Je suis sûr que vous connaissez certaines entreprises que nous avons travaillé avec. Aucune d'entre elles n'a jamais été déçue parce que nous tenons nos promesses. Donc la vôtre ne sera pas une exception, je vous promets ça. Bien. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous signer ce contrat. Vous et moi savons qu'il y a plusieurs personnes qui ont cherché ce contrat. Et d'ailleurs, malgré tout ça, ils sont toujours là en train de me stresser. Mais je veux juste que vous puissiez savoir que je suis en train de prendre un très, très gros risque en m'associant à votre compagnie. Parce que vous et ce contrat, gagnez quoi? L'argent, beaucoup d'argent. Alors je veux vraiment que vous puissiez me rassurer. D'accord, c'est parfait. Bonjour.
Toi encore? Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas entrer dans mon bureau juste comme ça. Qui es-tu? Oh, s'il vous plaît, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Il est très occupé. Qui est-ce qui est plus important que moi? Madame, s'il vous plaît, il ne peut pas vous recevoir maintenant. Il fait une chose très importante. S'il vous plaît, partez. Ne me cherche pas, oh. Ne me touche pas. Je ne sortirai pas. Tu m'as entendu? S'il vous plaît, partez. Ah ah. Alors, passe comme ça. Madame, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas. Il est très occupé pour l'instant. S'il vous plaît, madame. Ah ah. Elle m'a poussée. Les tempêtes sont terminées. Les tempêtes sont terminées maintenant. Laisse-moi passer. Laisse-moi passer, non? Madame, s'il vous plaît, vous devez partir, je vous en prie. Hein? S'il vous plaît, partez. Si tu essaies d'ouvrir, tu vas me sentir. Laisse-moi passer. J'ai dit bouge ton corps comme ça. C'est quoi ça? N'importe quoi. Idiote. Malade. Pour toi, hein? Tu veux aussi... Tu ne veux pas me permettre. Et tu as aussi le courage de m'empêcher de passer. Qui t'a enseigné comme ça? Tu me connais? Hein? N'importe quoi. Tu es malade. Hein? Hey. Chérie! Chérie! Et je crois très probablement que d'ici quelques mois, nous aurons la possibilité de faire beaucoup de choses avec. Elle est folle. Chérie? Homme. Homme, qu'est-ce que tu fais ici? Te voir, non? Lui là, pourquoi il est comme quelqu'un qui est perdu? Tu n'es pas content? Que fais-tu ici? C'est mon bureau ici. Et ton bureau a fait quoi? Je suis venu pour que tu vois bébé. Excusez-moi, qu'est-ce qui se passe exactement? Qu'est-ce que c'est? Désolé, monsieur Jackson, c'est juste un petit malentendu. S'il te plaît, va m'attendre dehors, ok? Non, je pars pas. S'il vous plaît, je suis vraiment confus. Monsieur Humphrey, comment pouvez-vous avoir une pandémie dans votre bureau? Qu'est-ce que tu veux dire? Monsieur Jackson, elle n'est pas tellement stable. Qui un peu? Laissé entrer. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue. Je suis venue et cette fille-là, elle est en train de me dire, je peux pas entrer. Je peux pas entrer. Tu peux pas entrer. Homme, s'il te plaît. Bonté divine, mais qu'est-ce qui se passe ici, monsieur? Avons-nous déjà fini? Tu m'attendais à l'extérieur, maintenant. Je vais rester là. Va m'attendre à l'extérieur, s'il te plaît. Regarde-lui, il va me voir sans ses lunettes. Dieu. Je vais aller nulle part, je suis pas folle. S'il te plaît, écoute-moi, je veux que tu ailles à l'extérieur et m'attendes. Cette nourriture est bonne, hein. S'il te plaît, vas-y. Je ne veux aller nulle part. Je suis tellement désolé, monsieur Jackson. Oh, moi, je veux que tu ailles à l'extérieur maintenant. C'est quoi ça? Tu veux t'aimer de quelque chose qui ne te regarde pas? Oh, moi, vas-tu arrêter? Qui va arrêter? Ok. Bien, je pense que j'en ai fini maintenant. Bien. Va-t'en. Monsieur Jackson. Bien, je pense que je vais juste partir. Qui es-tu? S'il vous plaît. Est-ce que je peux au moins passer, s'il vous plaît? Je ne travaille pas pour toi. Il est en train de m'appeler. Qu'est-ce qui se passe ici au juste? S'il vous plaît. Oh, moi, s'il te plaît, va à l'extérieur maintenant. Il m'a traité de pandémie. Non. S'il te plaît, attends l'extérieur. Non, je ne veux pas aller haut. Et toi, tu m'appelles pandémique. Tu me connais? Je suis désolé. Donc, c'est moi, Panda. Je pense que j'en ai fini. J'en ai assez entendu. En tout cas, merci. Merci, yo. Celui-ci. Vous avez perdu. Jackson, vous venez de perdre un contrat valant des milliards de dollars. Jackson, je vous dis, voilà qu'elle applaudit. C'est quoi ça? N'importe quoi. Tu vois ce que tu as causé? Je viens de perdre un contrat de milliards de dollars à cause de toi. Que veut dire tout ça? Tu l'avais fait avant et tu le fais encore. Je vais encore le faire. Oh, ma. Nelly. Nelly fait quoi? Nelly. C'est elle qui est enceinte. Comment est-ce que tu es entrée? C'est qui t'a même laissé entrer? Ne t'ai-je pas prévenu de ne pas laisser cette idiote entrer dans mon bureau? Désolé, monsieur. J'avais essayé de la stopper, mais elle m'avait poussée par force. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Pourquoi tu ne l'as pas repoussée? Monsieur, est-ce que vous regardez bien les tailles? Regardez un peu nos tailles, monsieur. Oh, ne sois pas idiote. Qu'est-ce qui est arrivé au département de sécurité? Tu aurais pu appeler au téléphone l'agent de sécurité pour venir la jeter dehors. Sais-tu que nous avons perdu le contrat avec monsieur Jackson? Tu sais ce que ça veut dire? Tu sais ce que ça veut dire? Tout ça à cause de ton incompétence. Vas-tu sortir de mon bureau? Sors! Désolé, monsieur, ça n'arrivera plus jamais. Simple instruction, ne la laisse pas entrer dans mon bureau. Oh. 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 Oh.
Que vais-je faire? Ma fille, tu as bonne mine. Tu as vraiment bonne mine. Regarde-toi. Ah, qu'est-ce que tu veux dire? Ma vie n'a pas changé, oh. Je ne veux plus retourner à ces petites choses encore. Non. Même ma façon de marcher a changé. Tout a changé. Oui, non. Tout ce qui est à moi. Tu as même vu ma façon de marcher. Pourquoi ça ne changerait pas? Oui, maman. Hein? Il fallait que ça change. Oui, non. Hein? Ah. Tu te rappelles ce que les gens ont toujours dit? Si tu es dans une maison des riches, tu deviendras aussi comme eux. Alors pourquoi ton cas doit être différent? Non. Écoute, je lui avais dit. Ma maman m'avait dit que tu ne puisses plus faire ça. Sérieux? Il disait, Oma, regarde-le. Je ne fais que ce que je veux. Je dors, je me réveille, je fais ce que je veux. Mais voyez-moi, Oma. Je suis bien traitée maintenant. Pourquoi n'aura-t-elle pas peur? Dis-moi. Mais elle sait que tu es enceinte de l'héritier du trône. Oui, non. Hein? Alors pourquoi? Pourquoi n'aura-t-elle pas peur? Hein? Elle est censée avoir peur. La peur, je mets ça au feu. Je fais ce que je veux. Je peux voir ça. Tout ce que je veux. Je peux le voir. Tout ce que je veux. Oui, non. Oma. Oui, non. Mais voyez ma fille. Oh mon Dieu. La mère de Oma doit quitter ma maison demain matin, jeudi. Je ne saurais pas vivre dans ma maison avec ces deux personnes qui me font mal à la tête. Ça ne sera pas possible. Nous allons poliment lui demander de quitter demain matin. Donc, calme-toi. Qu'est-ce que ça va faire? Dis-moi d'abord. Bébé, je m'en fous de ce qui va arriver. Elles doivent quitter chez moi demain. Ça m'est égal. Laisse-moi. C'est quoi ça? Je ne vais pas aller nulle part. Je n'irai nulle part. Allez, prenez. Tu t'es trompé. Allez, partez vite. Je ne partirai pas d'ici. Plus ici, hein. C'est la maison de mon beau-fils. Quoi ça? Tu dois épouser ma fille. Des gré ou des forces, il va m'épouser. Des gré ou des forces, il va m'épouser, oh. Nous n'irons nulle part. La sécurité pour de quelle sécurité tu parles? C'est ma maison. Hein? De quelle sécurité? Quelle sécurité? Tu ne peux appeler personne. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Mais c'est quoi tout ça? Et pourquoi n'es-tu plus enceinte, Soma? Réponds-moi. Elle n'a jamais été enceinte. Elle n'est pas enceinte. Et elle est enceinte. Et elle ne sera jamais. C'est moi qui suis enceinte de monsieur. Humphrey, peux-tu dire à ta mère ce qui se passe exactement dans ta maison? Qu'est-ce qui se passe au juste? Dis-lui seulement que tu ne vas pas tomber enceinte et tu ne le tomberas jamais. Oh, Humphrey, s'il te plaît, peux-tu me dire ce qui se passe réellement dans ta maison? Maman, la vérité est que je suis stérile. On avait connu un accident avec Humphrey, alors cela m'avait rendue stérile. Voilà pourquoi j'avais demandé à mon mari d'engrosser ma bonne, parce que tu me mettais tellement mal à l'aise. Mère, le docteur a dit qu'elle tombera enceinte avec le temps. S'il te plaît. Bébé, chérie, arrête bébé, de dire tu tomberas enceinte, s'il Maman, te plaît. Maman, c'est déjà la vérité. Arrête. S'il te plaît, je veux que tu sois positive, je t'en prie. Quand tu sortais avec elle, tu te réjouissais. Tu ne savais pas qu'elle allait tomber enceinte, n'est-ce pas? Hein? Gère ça. Donc, vous voulez dire que vous m'avez caché une telle information? C'est vrai ça? C'est vrai? Oh mon Dieu. Dieu. Viens, viens, approche. Vous voyez, je vous avais dit ça. Hein? Je suis désolée. Désolée pour tout. Je ne savais pas. Vous m'avez caché l'information. Alors comment est-ce que j'allais le savoir? Je suis désolée. Désolée, ma fille. Désolée d'avoir mis toute cette pression. Je suis désolée. Je t'en prie, ma fille. Pardonne-moi. Bébé! Hein? Bébé! Hey, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, maman. Hein? Maman, s'il te plaît, aide-moi. Qu'est-ce qu'elle a? Aide-moi, s'il te plaît. Nous devons l'amener à l'hôpital. Humphrey, mon fils. Où est ma belle-fille? Pourquoi ton visage est comme ça? Elle n'est pas morte. Elle va bien.
Es-tu sûre? Ouais, elle va bien. Alors pourquoi elle n'est pas revenue avec toi? Parlez-moi. Devine. Ah, tu sais que je suis nulle en devinette. Maman, devine, non. Ah, s'il te plaît, dis-moi qu'est-ce qui se passe. Elle est enceinte, maman. Ma femme porte un enfant, maman. Je veux être un père. T'es ouais, sérieux? Maman. Elle est hey. Enceinte. Finalement, ouais, maman. Finalement, ma belle fille est enceinte. Oh ouais, mon Dieu, je te remercie. Maman. Ah. Ah. Maman, je veux juste te permettre au bébé de rentrer auprès de mon boss et sa femme. Tout ceci, c'est à cause de l'argent. Parce que je veux juste ramener l'enfant. Je vais leur donner, ça me fait mal, mais je me dis, je commence déjà à me dire que je n'aurai rien de cela. Oma, de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce qui te pousse à aller leur donner les bébés? Tu ne sais pas que si tu pars leur donner ces bébés, maintenant, nous n'aurons plus de l'argent. Tu ne le sais donc pas? Maman, ce n'est pas à cause de l'argent. J'ai aussi une conscience. J'ai aussi une conscience. Hein? Tu vois mon patron là, c'est quelqu'un de bien. Ils n'ont pas mérité ce que je leur ai fait. Ils n'ont pas mérité. Et d'ailleurs, ton petit-fils, mon enfant, aura une très bonne vie maintenant. Hein? Que je le ramène seulement. Je vais le ramener chez eux. Tu n'es pas intelligente. Tu vois, ne serait-ce qu'un peu de l'intelligence, tu n'en as pas. Tu n'es pas du tout intelligente. Gna 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 gna. J'arrive, bébé. Ouais, j'arrive. Oma. Oma. Est-ce que tout va bien avec l'enfant? Viens chez papa. Ouais. Regarde-toi. Comment tu vas? Je n'ai rien à faire avec les bébés. Voilà pourquoi je suis venue vous les ramener. S'il y a deux personnes qui méritent ces bébés, c'est toi et monsieur. Oma, es-tu sûre? Oui, madame. Madame. Non, ne fais pas ça. Je suis vraiment très désolée. Désolée de tous ces mal que je vous ai causés. Je suis vraiment désolée. Oma, nous n'avons rien contre toi, s'il te plaît. Ouais. Oma, nous sommes très reconnaissants. Merci beaucoup. T'inquiète, tu auras toujours ton allocation mensuelle, ok? On ne le mérite même pas. Merci. Merci, merci. Oma. Merci. Merci. Je peux avoir le bébé? Oui, bien sûr. Hey. Voici mon garçon. Merci. Chérie, qu'est-ce qui nous est arrivé? Assez. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées,
ainsi que du contenu vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement. She's a special baby.